Nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Il ne faut pas oublier que dans ce conflit avec les voisins, de dire toujours que nous avons été agressés. La résistance des Congolais, qui pour moi c'est l'indice qu'ils attachent beaucoup d'importance à leur patrie et que dans leur conscience, ils ont combattu pour leur patrie. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Restez vigilants. Criez fort que vous êtes victime d'une injustice et que la communauté internationale doit la réparer. Demeurez solidaires face à nos ennemis, grands et petits. La raison est de notre côté. La défense de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, c'est l'affaire des Congolais. Nous demandons à notre gouvernement de nous donner des armes pour combattre. Et s'il n'en est pas capable, alors nous allons nous battre, car nous avons la force. Nous préférons mourir pour notre pays plutôt que de nous entretuer. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts.